when you're up against the wall and you cannot fall. So go off, go off. Salut à tous! Il est rare d'essayer une toute nouvelle moto, c'est encore plus le cas quand elle émane d'une des marques les plus anciennes au monde. Nous sommes chez Moto Guzzi, devant le tunnel de Soufflerie, pour l'essai de la toute nouvelle V100 Mandello. 100 pour évoquer le centenaire de la marque, 100 également pour traditionnellement évoquer la cylindrée. Alors, c'est pas forcément évident, hein, 100, 1000, bon, c'est italien sans doute. Mais qui dit Italie dit style, design. Et c'est une moto particulièrement élégante que nous avons là, qui reprend des codes historiques. Donc on a à la fois une moto très moderne et aussi tournée vers l'histoire très importante de la firme Moto Guzzi. Donc cette machine évoque à la fois la 850 Le Mans de 1976, mais aussi pour moi la V11 Le Mans. C'est une GT Sport que Moto Guzzi a voulu produire avec les toutes dernières technologies disponibles. Alors bien sûr, les puristes diront que on n'a pas l'optique circulaire qu'on retrouve habituellement chez les Moto Guzzi, mais justement, on a une moto qui rentre dans une nouvelle ère avec une toute nouvelle optique entièrement à LED, avec un éclairage en virage également, et un éclairage automatique, un changement entre feu diurne et feu de croisement. Je vous laisse admirer vraiment le travail qui a été fait et la reprise des codes esthétiques vraiment indispensables sur le réservoir avec ces épaulements larges qui coiffent le haut des culasses du moteur, toujours ce V-twin dont on reparlera bien sûr plus longuement. On a une moto qui est très fluide, comme vous pouvez le voir, qui protège d'ailleurs pas mal. On a quand même un carénage relativement important. Le rappel avec les trois petites ouïes justement des 850 Le Mans. Et puis une poupe très effilée. C'est une machine très dynamique visuellement, avec une boucle arrière particulièrement stylée et un feu qui reprend un petit peu ce qu'on avait vu sur les V85, les trails, avec ces deux tuyères rougeoyantes. C'est assez magnifique. On a vraiment un côté aéronautique et on y reviendra parce qu'il y a des petites spécificités sur cette machine qui sont assez sympas. La V100 Mandello repose sur un cadre treillis tubulaire acier, ainsi que la boucle arrière. En fait, c'est tout d'un seul tenant. On a vraiment ce cadre et la boucle arrière soudés l'un à l'autre. Ça vient prendre en 6 points le moteur comme élément porteur. Et quel moteur? Évidemment, un V-twin face à la route, mais longitudinal. C'est-à-dire que le vilebrequin est dans la longueur du véhicule. Et pour la première fois, un V-twin refroidi par liquide. Double arbacam en tête, 4 soupapes par cylindre. Il développe 115 chevaux à 8700 tours, 105 Nm à 6750 tours, mais avec 80% de ses valeurs disponibles dès 3500 révolutions minute. Donc de quoi largement dynamiser ce modèle. Une autre particularité de cette mécanique est d'embarquer une masse contrarotative au vilebrequin afin de limiter le couple de renversement de la machine. C'est très sensible, on a à peine ce petit mouvement sur le côté gauche qui était beaucoup plus sensible auparavant. Ce passage au refroidissement liquide entraîne quelques spécificités. Comme vous pouvez le voir, l'admission et l'échappement ont pivoté de 90 degrés autour de la culasse. On n'est plus dans cet axe-là, mais dans l'axe transverse. Ça permet d'avoir une meilleure gestion des collecteurs qui renvoient directement sur un catalyseur qui est placé au plus bas. Donc pour les masses, c'est bien. Un échappement très court, ça c'est vraiment pas mal. Ça permet de dégager la roue. On a de nouveau un nouveau positionnement de l'embrayage et de la boîte. Donc plutôt de la boîte et de l'embrayage. Donc on peut intervenir sur l'embrayage sans avoir enlevé la boîte, comme c'était auparavant le cas. Donc ça, c'est pas mal. Le cardan passe également côté gauche. Alors, il est remarquable, il a été entièrement retravaillé, c'est plus du tout le même élément. C'est très long pour éviter les phénomènes de soulèvement de la moto parce qu'on n'a plus la jambe de force qu'on avait auparavant sur cet élément, qu'on a encore d'ailleurs chez d'autres, notamment chez BMW. Donc là, le Moto Guzzi s'en affranchit avec un système assez innovant et on a juste la suspension qui est également déportée donc, de ce côté-là, au-dessus de l'axe du bras oscillant. Côté amortissement, sur ce modèle, la V100 Mandello S que nous avons essayé, on n'a pas pu faire la standard. Donc là, nous avons des suspensions pilotées. Ce modèle V100 S embarque également un quick shifter que n'a pas la version standard, des poignées chauffantes, l'interface MIA qui permet de connecter le smartphone avec la machine, et également un TPMS pour la pression des pneus en direct sur le tableau de bord. L'amortissement semi-automatique est confié à Ulinz avec le système EC 2.0. qu'on a déjà vu sur d'autres modèles. Donc une fourche Nix inversée de 43 mm, entièrement paramétrable via l'interface, même ajustement pour l'amortisseur arrière, avec en plus une molette de précharge. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Les débattements sont de 130 mm pour l'avant et pour l'arrière. Un modèle aussi dynamique ne peut pas se passer de freins de haute qualité. Il est évidemment sur une machine italienne signée Brembo, avec un mètre cylindre radial,
des étriers 4 pistons à montage radial également, des M432 à l'arrière, double piston. Enfin, on a de très jolies jantes à 5 branches dédoublées. Alors, elles sont couleur or sur la standard, noire sur la version S, c'est un peu dommage ça. Et elles chaussent des Pirelli Angel GT2, excellente gomme pour cette machine qui a vocation assez routière. Avant de vous parler de toute l'électronique qui gère cette nouvelle moto, on va parler ergonomie. Avec un poste de pilotage particulièrement avenant, on a vraiment un bon recul sur la selle. On aurait pu en avoir un petit peu plus d'ailleurs, mais bon, on trouve facilement sa position sur la moto. La selle est très confortable. Elle remonte d'ailleurs aussi très fort sur le réservoir, vous avez pu le voir. C'est aussi un clin d'œil au 850 Le Mans. Alors une moto particulièrement accessible, avec une selle positionnée à 815 mm par défaut. Il y a un élément bas à 800 mm et un élément haut à 830 mm, si je me souviens bien, qui permettront d'ajuster selon l'ergonomie de chacun. Donc ça, c'est bien aussi. Par contre, la selle n'est pas réglable en hauteur. Et ça, c'est un petit défaut, je trouve. Donc, une flexion des jambes tout à fait mesurée. C'est tout à fait conforme au standard sport touring. Et c'est pourquoi nous avons des repose-pieds légèrement reculés qui fait tomber le buste en avant et donc entraîne un léger appui sur le large cintre. Il aurait pu d'ailleurs être un peu plus large encore. Je pense que 20-30 mm, on aurait gagné pas grand-chose de chaque côté. Mais ça aurait été encore plus sympa pour emmener la machine. Et vous le verrez, elle ne manque pas d'agilité. La V100 est une moto relativement longue, c'est-à-dire qu'elle fait 1475 d'empattement. Mais elle conserve toutefois un angle de colonne de 24,7 degrés qui va lui procurer une excellente agilité. On en reparlera bien sûr en dynamique. Alors je vous l'avais dit, beaucoup de modernité sur cette moto, avec forcément une centrale inertielle à 3 axes, 6 directions, d'origine continentale, qui va prendre en compte en fait toutes les assistances disponibles sur cette moto. Alors tout d'abord, nous avons 4 profils de pilotage qui vont gérer différemment la puissance disponible, avec donc une réaction à la poignée un peu différente, mais aussi également l'ABS, le contrôle de traction, le frein moteur, donc beaucoup d'éléments à prendre en compte, et évidemment sur cette machine, la V100S, les suspensions qui vont s'adapter aussi au profil de pilotage. On peut également paramétrer ces éléments entièrement, les personnaliser comme on le souhaite et les passer en mode manuel. C'est semi-actif par défaut, mais on peut aussi les passer en mode manuel. Donc on a plus cette adaptation en continu. Et ça fonctionne pas mal aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ah oui, il y a un élément assez remarquable, c'est que ces différents profils de pilotage, une fois que vous avez paramétré notamment le contrôle de traction, les suspensions, dès que vous changez, en fait, ça conserve en mémoire pour chaque profil ce que vous avez fait. Donc vous n'êtes pas obligé de refaire les manipulations à chaque fois, et ça, c'est plutôt pas mal. Également aussi, la bulle électrique. Ça, c'est vraiment une belle idée d'amener cet élément ajustable facilement. Voilà, donc c'est en roulant, évidemment. On a aussi des raccourcis un petit peu partout. La dalle est d'origine Aprilia. On voit qu'il y a un partage de technologie pour les marques Piaggio. Donc ça, c'est une très bonne idée. L'écran TFT est particulièrement lisible. Il a une très bonne ergonomie. On se retrouve très facilement dans les différents menus. C'est un peu plus compliqué pour aller chercher les suspensions, etc. Mais ce n'est pas quelque chose que vous ferez souvent. Nous, on est un peu obligé d'aller voir en détail. Particularité principale de ce modèle, ce sont ces déflecteurs latéraux qui vont s'ouvrir à partir d'une certaine vitesse pour amener un surcroît de déflexion d'air. C'est particulièrement original, c'est même totalement inédit, sur une moto. Alors, leur ouverture est paramétrable entre 30 et 90 km/h. Donc on peut choisir simplement que ça s'ouvre à partir de 90 km/h. Par défaut, c'est 70. Il y a aussi une marge d'ajustement dès qu'on tombe à 20 km/h en dessous de la valeur prédéfinie. Ça vient se refermer. C'est assez sympa en dynamique à voir fonctionner. Après, à voir si c'est efficace. Je vous propose désormais de retrouver mes premières impressions au guidon. C'est parti. Et nous voilà enfin aux commandes de cette magnifique Moto Guzzi V100 Mandello version S. Sur les bords du lac de Côme. Donc la première prise en main tout de suite avec une moto tout à fait avenante en termes d'ergonomie. On est légèrement sur l'avant mais à peine, mais c'est conforme à ce que j'espérais. Quand je me suis assis dessus la première fois, j'avais peur d'être un petit peu trop en arrière, mais pas du tout. Je pense que pour les plus grands, une selle un peu plus haute, optionnelle, est bien. Sinon, tout tombe parfaitement sous les gants. Le guidon est pas trop large. Je pensais qu'il serait un petit peu plus large que ça. Mais on a un grand cintre presque plat qui aide vraiment à emmener la machine. J'ai testé tout à l'heure, là, ça se dirige du bout des gants. Alors, ce que vous attendez, évidemment, ça va être au niveau mécanique. Comment ça se passe en ville? C'est un peu comme l'ergonomie, c'est presque parfait on va dire, c'est même pour moi parfait pour le moment. On a juste ce qu'il faut de bonnes vibrations, on peut reprendre très bas dans les tours, quasiment sur le régime de ralenti, en 3 ou en 4, voire en 5 aussi, il n'y a aucun souci.
Les remises de gaz sont toutes tranquilles, ça cogne pas du tout. On a juste les coups de piston là en continu qui donnent exactement le rythme et savoir où on en est point de vue mécanique. C'est hyper agréable, là c'est pom 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 dès qu'on réaccélère, ouais, c'est vraiment génial. Et on a très bon équilibre de la machine, elle est extrêmement agile. On sent bien ça réagit au moindre appui sur le guidon et hors pose-pied aussi. Voilà, on est à demi-tour, on entend le pom-pom-pom là. On a ces petites vibrations juste qu'il faut dans la selle notamment. Et... Enfin, c'est pas vraiment des vibrations, hein, c'est la vie moteur. Il n'y a rien de gênant, hein, c'est vraiment la moto communique sa vie à son pilote. C'est vraiment idéal. Pour ceux qui aiment vraiment les mécaniques de caractère, on est pile dans ce qu'il faut. Alors cette machine a quelque chose de très particulier, hein, on vous l'a dit. Ce sont ces éléments sur le côté du réservoir qui donc se déploient automatiquement à partir de certaines vitesses et devraient apporter un supplément de déflexion du vent. Voilà. Ah. On va les rentrer en changeant de mode tout simplement là. Donc ici je suis à rythme beaucoup plus coulé parce que c'est une routière hein, que l'on a, une routière sport. Qui est un peu longue dans les épingles, mais si on n'est pas moins agile. Alors on va rentrer la une. Avec un caractère vraiment dynamique. J'adore le son de ce V-Twin. Il est gras, il est puissant. Ouais, il sort vraiment du fond des entrailles de cette mécanique particulièrement démonstrative et surtout à forte personnalité. Ouais, on a un grondement de ténor à chaque accélération, notamment au-delà de 5000 tours. C'est une mécanique vraiment très appréciable. Sur les intermédiaires, ça repart vraiment fort dès 3000 tours. Par contre, on va dire que les deux premiers rapports sont un peu longs. Il y a certaines épingles vraiment serrées où il vaut mieux remettre la première. Mais en dépit d'une longueur relativement importante, pas non plus terrible, hein, la machine est réellement agile. Bon, par contre, la direction a tendance un petit peu à se verrouiller quand on prend les freins violemment en courbe, ce qui n'est pas conseillé, mais ça peut arriver. Au mieux gérer au frein arrière qui est excellent. On a un très bon toucher de pédale. Oh, un petit caillou là qui m'a fait peur. Voilà. Le grip des Pirelli Angel GT, écoutez, il n'y a rien à dire dessus. Hein, c'est comme ce, d'habitude, très bon. C'est des enveloppes qui chauffent vite, qui gardent bien justement cette température de fonctionnement efficace. Et cette crédale amortie, on a une grande différence entre les différents modes, pluie, tour et sport et route, qui sont eux, ces deux-là plus dynamiques. Mais je préfère encore passer en mode manuel et faire mon setting à moi. Et je trouve ça d'autant plus efficace. Et on peut aussi faire la même chose avec les modes semi-actifs. Il y a en revanche moins de différence dans les... Dans les cartographies, je trouve que entre pluie, tour, route et sport, bon bah avec sport ça dépote encore un peu plus, mais même en pluie, je trouve que quand on relance en 4 ou en 5, y a quand même du couple. Hein. C'est pas si réduit que ça. Après l'antipatinage veille, puis bien sûr cette centrale inertielle à tout moment, notamment sur les phases de freinage, est très efficace. Ça rend cette machine d'autant plus sûre et efficace. La bulle est un peu courte, mais il y a un modèle optionnel qui est monté sur la machine d'un de mes collègues et qui protège davantage. Ce qui, à mon avis, est la bulle qui aurait dû être d'origine. Un modèle quand même plus important, surface plus importante, qui va bien avec cette vocation touring qu'a cette moto. La qualité de l'injection est également à souligner. On peut repartir sur un filet de gaz en virage absolument sans hoquet, sans
sans à-coups, et ce à n'importe quel rythme. On a vraiment une très bonne liaison au poignet des gaz roue arrière, c'est très précis. On va dire que hormis ces problèmes de sélection parfois au quick shifter, il n'y a pas grand chose à reprocher à cette moto. Donc vous voyez, une moto particulièrement séduisante, enthousiasmante même, avec une mécanique fabuleuse, une personnalité qui est unique vraiment et qui reprend tout à fait le caractère Moto Guzzi. On a ces pulsations amples, on n'a pas de vibrations, ce sont des pulsations qui vraiment habitent la machine et se communiquent subtilement au pilote, moi je trouve. On les ressent dans le guidon, dans les repose-pieds, sur la selle aussi, mais c'est vraiment très puissant et ça participe vraiment au plaisir d'emmener cette machine. Très très efficace. J'ai été également particulièrement séduit par la facilité à emmener cette V100 Mandello. L'équilibre est remarquable, elle se met sur l'angle avec un léger appui au guidon, c'est remarquable, ça se pilote au regard. Des freins à la hauteur, une transmission par cardan au top, c'est vraiment très très peu de défauts hein, sur cette machine, à part la sélection au quick shifter. Là, il y a eu pas mal de ratés hein, pour tous les essayeurs, tous les journalistes, on a eu le même souci. Donc à voir là-dessus s'il n'y a pas un paramétrage à faire, une mise à jour certainement hein, à ce niveau. Une machine entièrement nouvelle chez Moto Guzzi, c'est toujours un événement. Je vous invite vraiment à faire l'essai de ce modèle dès qu'il sera disponible. Peu de concurrence hein, à ce niveau. Sur les GT Sport, on va avoir une Kawasaki Z1006 et surtout une BMW R1250 RS. La RS va être plus chère, la Z1006 va être moins chère. Puisque cette Moto Guzzi V100 Mandello S est tarifée 17 999 €, le modèle standard est à 15 499 €, donc 2 500 € d'écart. Je pense que la standard est pas mal aussi, on aurait bien aimé pouvoir l'essayer, et avec quelques éléments en plus, une bulle plus large et des poignées chauffantes à rajouter, je pense que ça fait déjà pas mal. Même si les suspensions lignes fonctionnent très bien, je pense que la version standard doit être intéressante également, un tarif quand même largement inférieur. Donc peu de concurrence, hein, je vous l'ai dit, et un placement vraiment très intéressant pour une machine qui apporte une vraie personnalité par rapport à ses concurrents et une esthétique vraiment hors norme. C'est un ensemble hyper convaincant, une grande réussite à mon avis. On vous en dit bien davantage sur l'essai en ligne sur lerepairedesmotards.com. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off.